Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence cette semaine tranquillement avec une recette sucrée, une idée de dessert facile à faire ou de petit déjeuner sans gluten et sans lactose. Je commence par mettre dans un bol un œuf. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre, de la vanille et 20 centilitres de lait végétal. Je mélange bien et je réserve. Pour la suite de la recette, j'aurai besoin de pain. J'ai utilisé le pain de chez Lidl. D'ailleurs, il y a la semaine du sans gluten chez Lidl. Vous pouvez y aller et découvrir les produits qu'ils proposent. Ensuite, je coupe trois tranches de pain. Le meilleur, ça serait d'utiliser du pain rassis. Après avoir coupé mon pain grossièrement avec les mains, je mets par-dessus le mélange d'œuf et de lait. Il faut que chaque tranche de pain soit bien imbibée de mon mélange d'œuf et de lait. J'ai mis une bonne poignée de myrtille par-dessus et je finis par saupoudrer un peu de sucre vanillé. Avec cette chaleur, j'ai préféré faire une cuisson à l'air fryer. Donc, je préchauffe mon air fryer. Ensuite, je fais cuire mon plat à 180 degrés 15 minutes avec l'option gâteau. Pour l'air fryer, je vous mets le lien et un code promo qui s'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Pour une version au four, je vous propose de le faire cuire à 180 degrés 20 à 30 minutes. Je vous conseille de surveiller la cuisson. 15 minutes plus tard, c'est déjà cuit. Pour plus de gourmandise, vous pouvez mettre par-dessus un peu de sirop d'agave ou du sirop d'érable ou un peu de sucre glace. Les amis, c'est une idée dessert facile à faire sans gluten et sans lactose. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao!